Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ousmane Nielu. Mes chers compatriotes guinéens et guinéens, vous savez, en République de Guinée, actuellement, certains Guinéens sont très forts en ce qu'on appelle la démagogie. Mais Mamadi Doumbouya, j'ai un conseil à te donner. Un conseil très sage, si tu écoutes, si tu n'écoutes pas encore, un beau matin, tu vas entendre ici que tes ennemis sont en train de rire sur toi. Je sais de quoi je te parle. Peut-être en te parlant, tu vas dire que ah, lui c'est un bébé ça. Oui, de taille, je suis bébé. De taille, je suis bébé. Mais moi en politique, personne ne peut me manipuler. Personne ne peut me tourner. Mamadi Doumbouya, je vais te dire une chose. Les gens que tu as libérés le 5 septembre 2021, tu as vu d'abord, ils sont sortis, ils ont dansé d'abord pour toi énormément. Attends. Tu as vu d'abord, ils sont sortis le 5 septembre, ils ont dansé pour toi énormément. Parce que pour eux, tu étais venu pour prendre le pouvoir et les remettre. Tu as vu, dès qu'ils ont compris que tu n'es pas venu pour remettre le pouvoir à certaines personnes, tu es venu pour refonder la République de Guinée, ta vie, ils se sont mis contre toi directement. C'est le même problème qu'on avait avec eux. Leur objectif et leur but actuellement, qu'un autre militaire vient te renverser, t'attacher très bien pour eux, et puis te déposer à la maison centrale. Mais Mamadi Doumbouya, wallahi, billahi, tallahi, si tu dors ici, jusqu'à quelqu'un met main sur toi, tu vas lire l'air. Moi, je ne le souhaite pas pour toi, hein, mais tu vas lire l'air. Tu sais pourquoi tu vas lire l'air? Parce que ce que tu dois te rappeler, c'est tes ennemis. En fait, tu serais dans les mains de tes ennemis. Moi, aujourd'hui, je suis sali, hein. Tout le monde dit que je suis du CNRD, comme je porte casquette branding, je porte Guinée. Donc, tout le monde dit que je suis devenu CNRD. Donc, CNRD m'a acheté. On me donne de l'argent. Et pourtant, Dieu sait. Seul Dieu peut juger ça. Mais moi, je suis pour la vérité. Moi, je suis un patriote. Moi, je suis un peuple qui n'est pas ethno. Moi, je suis un peuple qui ne fait pas la discrimination ethnique. Moi, je suis un peuple qui aime les forestiers, qui aime les malinqués, qui aime toutes les ethnies à la République de Guinée, sans distinction de race, ni d'ethnie, ni de religion. Donc moi, ce que je dirais toujours, ça ne va pas plaire à certaines personnes. Mamadi Doumbouya, wallahi, billahi, tallahi, tu vas entendre ma vidéo là, tu vas négliger.
Tu vas dire que le petit là, est-ce qu'il lui fume pas couche? Mamadi Doumbouya, t'as vu les gens qui t'entourent, les gens qui font semblant de t'aimer. Les gens qui viennent te dire que Mamadi Doumbouya, Itanambe, c'est toi qui es là. Ces mêmes personnes entouraient Alpha Condé. T'as vu quand le pouvoir a basculé, il y a certains qui sont sortis dire que ah, nous on a conseillé Alpha Condé fatigué, il n'entendait pas. Donc moi je ne veux pas que toi tu arrives là-bas, parce que quand toi tu arrives là-bas, ça serait pire pour toi. Parce que Doumbouya, même pour déplacer ton dossier, enlever d'un point A à un point B pour faire ton jugement, il y aura des gens qui vont s'opposer à ça. En fait, tu seras oublié dans l'histoire en prison. Je ne te le souhaite pas. Que Dieu t'épargne de la prison. Tu as vu, si tu as bien remarqué, moi, je ne suis pas un jeune démagogue. Moi, je ne suis pas une personne qui fait de la démagogie pour quelqu'un. Jamais! Jamais de la vie. En fait, si tu savais, Mamadi Doumbouya, ce que je savais. Wallahi billahi tallahi. Regarde, je vais te donner ici un exemple. T'as vu ton véhicule, ta voiture où tu roules, Mamadi Doumbouya. Avant, ta voiture n'avait pas de truc là. C'est qu'on met comme ça là, derrière là, pour protéger ton, en fait, l'arrière quoi, ton dos, il n'y avait pas ça. Depuis que tu as mis ça, il y a beaucoup qui sont fâchés. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus t'atteindre par derrière, maintenant. Hey, Doumbouya, reste dans ton palais. Doumbouya, reste dans ton palais. Arrête de te promener dans les rues de Conakry. En fait, ne cherche pas le populisme avec certaines personnes. Les gens, c'est des ingrats. Hé, hey, les gens n'ont qu'à dire que tu as peur. Il faut rester dans ton coin, dans ton palais là-bas. Tu sais pourquoi? J'ai peur pour toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as fait mon combat. Tu as fait mon combat. C'est pourquoi moi, je ne suis pas contre toi. C'est pourquoi moi, je ne suis pas contre toi. Sinon, Mamadi Doumbouya, si moi, Nyeloué, j'étais contre toi. T'as vu les blogueurs que tu entends parler là, tous ces gens-là allaient se taire. Moi seul, j'allais allumer Facebook. Ça allait être boum. J'allais être en exil, m'installer quelque part. Chaque jour. Mais j'ai dit que je ne le fais pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu as fait mon combat. Tu as fait un combat pour moi que toi-même tu ne connais pas. Tu as fait un combat pour moi toi-même. En fait, tu ne sais même pas que tu as fait un combat pour moi. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas être contre toi. Les gens ont dit que tu m'as acheté et Dieu, c'est toi et moi. On n'a jamais parlé au téléphone. On ne se connaît même pas. Mais aujourd'hui, il y a certains qui viennent dire, ah, le petit là, il défend Mamadi Doumbouya chaque jour, c'est rentré comme ça, c'est sorti. Moi, tout ce que, quand les gens là me disent ça, je dis, j'ai bien fait. Parce que moi, je sais consciencieusement, toi et moi, on ne se connaît même pas. Et je n'ai jamais cherché à partir te rencontrer. Dieu sait. Tes ministres le savent aussi. Mais Doumbouya, reste dans ton palais. Arrête de te promener au dehors. Arrête de prendre des vélos pour sortir au dehors, pour montrer que tu sais conduire vélo. Tout le monde sait que tu sais conduire vélo parce que tu as grandi à Cancan. Il n'y a pas un enfant malinqué qui ne sait pas conduire vélo à Cancan. Tout le monde sait. Tous ceux qui ont grandi à Cancan, presque 90% ont des vélos. Arrête de prendre les vélos et se promener dans les rues de Conakry.
Hein? Les gens, tous leurs objectifs, même dans leurs rêves, à l'heure, quand ils sont couchés, quand ils sont en train de dormir, tu sais ce qu'ils sont en train de rêver? C'est qu'un autre militaire t'a renversé. Mais tu sais le problème de ces gens qui pensent ça? La plupart de ces gens vivent en Europe parce qu'ils ne savent pas comment est ta sécurité et comment tu vis et comment tu es. C'est ça le problème aussi un peu. Parce que c'est des têtus, c'est des bêtes. Ils ne voient pas ton dispositif en train de marcher ou bien en train de circuler. Mais, Mamadi Doumbouya, c'est Ousmane Nielleux qui te parle. Ces gens qui sont en train de faire semblant qu'ils t'aiment sont tous des traîtres. Le jour où tu ne seras pas au pouvoir, c'est le jour là que tu vas connaître c'est qui le Guinéen. C'est le jour là que tu vas connaître le vrai visage du Guinéen. Le Guinéen qui t'avait applaudi là, tu vas encore voir son autre visage. Parce que c'est lui que tu vas entendre te dire, nous on avait conseillé Doumbouya fatigué, il n'entend pas. Regarde aujourd'hui, quand tu les entends parler de toi, que Doumbouya a pris une autre route maintenant que eux ils ne connaissent pas. Comme si c'est eux qui, en fait, comme si c'est eux qui t'ont aidé le 5 septembre à prendre le pouvoir. Parce que quand tu allais rater ce coup d'État, le 5 septembre, toi-même tu connais ton sort, ça pourrait être quoi quand tu rates un coup d'État? J'ai pas besoin de t'expliquer ça. J'ai pas besoin de t'expliquer ça. Tu as beaucoup d'ennemis. Et puis tu as nommé des gens. Des gens. En fait, tu es en contact avec des gens qui sont en contact direct avec tes ennemis. Qui sont en contact direct avec l'opposition. Doumbouya, tu dois beaucoup te méfier. Tu dois beaucoup te méfier. Tu dois être restreint. Tu dois être ce qu'on appelle restreint. Tu dois avoir le titre du président. Pour t'avoir, pour te joindre, il faut passer par une personne. Il ne faut jamais être direct en contact avec quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, leur objectif, c'est de chercher à comment te renverser. C'est ça la vérité, Mamadi Doumbouya. C'est ça l'objectif aujourd'hui des gens. C'est comment te renverser au pouvoir. T'attacher très bien. Te mettre dans une corde. Te faire promener dans tout Conakry. Rire sur toi. Si toi tu acceptes que tes ennemis, toi tu tombes ta main, dans les mains de tes ennemis, Mamadi Doumbouya, tu vas lire l'air. Tu vas lire l'air feu. Moi aujourd'hui je suis sali. Hein? Et pourtant moi je ne gagne rien avec vous. Mais le fait que ça, je viens faire les vidéos là. Te défendre, parler, tes ennemis qui parlent derrière toi, je les contredis. De fait que je fais ça, j'ai beaucoup d'ennemis maintenant. Parce que les gens disent que je suis un traître, que moi, pourquoi moi je viens te défendre? Et pourtant, moi je ne mange rien. Même un centime, je ne gagne pas. Un centime, je ne gagne pas. Ni d'un ministre à toi, ni. En tout cas, si quelqu'un part là-bas pour te dire que lui, il est en train de me gérer, ou bien il est en train de me donner, il a menti, c'est un menteur. C'est un gros menteur. Alors la personne-là est juste en train d'essayer de manipuler pour manger là-bas en faisant croire que ouais, nous, ils sont en train de nous gérer. C'est des menteurs. C'est moi qui te le confirme. Voilà. Mais arrête de prendre les vélos, de promener dans les rues de Conakry. N'oublie pas que c'est un pouvoir que tu as renversé. N'oublie pas que les gens que tu as libérés le 5 septembre, ces gens ne t'aiment plus. Ils ne t'aiment pas parce que tu es mauvais. Ils ne t'aiment pas parce que tu les as fait quelque chose. Sinon, tu as été juste gentil avec eux. Tu es venu, tu les as libérés. Tu as trouvé beaucoup de gens en prison, tu les as fait sortir. Ta vie aujourd'hui, ils sont devenus contre toi. Leur objectif, c'est quoi?
c'est de prendre ta place là où tu es assis, c'est de prendre ta place, de poursuivre, t'envoyer en prison, te juger, te condamner lourdement. C'est ça leur objectif, ils n'ont pas d'autre objectif. Problème de courant là, quand tu entends les gens sortir ici, dire des sottises, ah, il n'y a pas courant, il n'y a pas courant. Quand j'entends certains Guinéens dire ici qu'il n'y a pas courant, ces mêmes personnes qui sont là en train de dire qu'il n'y a pas courant, ces gens-là, eux, ils ne payent même pas de factures, ni d'électricité, ils ne payent pas les factures, ni rien, absolument. Certains parmi eux, quand tu vérifies bien dans leur maison, tu verras que, en fait, chez eux, ils ont fait des branchements clandestins dans leur maison. Doumbouya. Doumbouya. Tu me fais trop pitié quand je te vois entouré par des gens qui font semblant que... Tu as vu, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers toi pour créer des cellules, pour créer ce qu'on appelle des organisations, des ONG, pour des cellules pour te défendre et tout ça. T'as vu où c'est parti? C'est sorti zéro. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne nous ont pas vus, nous, d'abord, dedans. C'est ça, c'était ça leur objectif. Moi, beaucoup ont essayé de me convaincre, beaucoup, mais et ceux qui essayent de me convaincre, là, eux-mêmes sont pauvres d'abord. Comment un pauvre peut me convaincre? Quelqu'un qui n'a rien, comment lui peut me convaincre? Quelqu'un que je connais recto verso, comment lui peut venir me convaincre? Mamadou Doumbouya, fait très attention. Tu es trop ciblé. Tes ennemis, les gens que tu as libérés le 5 septembre, ces gens-là. En fait, je ne te souhaite pas un coup d'État. Mais si ça se fait en Guinée, les gens que tu vois aujourd'hui qui font semblant de t'aimer, qui font semblant qu'eux, ils sont avec toi, ils sont dans ton combat, ils sont dans ton esprit, ces gens-là, tu les verras ici encore dans les radios, dans les médias, pour sortir ici, pour dire que ouais, Mamadi Doumbouya, nous on l'a conseillé, mais il est têtu, il n'entend pas. C'est ça encore, tu vas les entendre dire. Le jour où tu ne seras pas au pouvoir, les gens que tu as donné à manger, des gens à qui tu as tout donné dans ta vie, c'est ces mêmes personnes qui vont sortir vomir ici sur toi en disant que Mamadi Doumbouya est un têtu, il n'entendait pas. Nous, on l'a conseillé fatigué, il ne voulait pas comprendre. Donc, nous, aussi, on l'a laissé partir comme il voulait. Et pourtant, alors, il faisait partir, ils étaient avec toi, ils mangeaient avec toi, parce que là, c'était doux. C'est ça la différence entre nous, et Nyeloué, et d'autres personnes. Quand tu tombes, on est là-bas encore, on est ensemble. Quand c'est doux, on est ensemble. Quand ce n'est pas doux encore, on est ensemble. Mais Mamadi Doumbouya, fais très attention. Donc, fais très attention. Les gens qui font semblant que eux, ils t'aiment là, c'est des menteurs. C'est des vrais menteurs. Fais très attention. Même le prophète Mohammed a fui ses ennemis. Toi, tu n'es pas plus que le prophète Mohammed. Mais même le prophète Mohammed a fui ses ennemis. Donc, quand les gens disent que ah, Doumbouya, il est dans son palais, il n'ose même pas sortir, dis ok. Toi, il faut suivre ta feuille de route. Tes intentions que tu as, il faut suivre ça. Ne calcule pas ce que les gens disent. Ne vis pas dans l'émotion. Ne vis pas dans l'émotion. Ne dis pas comme les gens sont en train de dire. Tu vois, il y a les blogueurs qui sortent ici mentir, dire que ah, ils ont tiré sur Doumbouya. Ah, Doumbouya est mort là-bas. Ah, Doumbouya est décédé au palais. Ah, quelqu'un a attaché Doumbouya là-bas au palais. Toi, tu sais que c'est faux. Pourquoi sortir, te promener dans les rues pour montrer aux gens là que ouais, toi, tu es en vie. Laisse-les, ils n'ont qu'à parler. Le Guinéen est habitué à parler. Le Guinéen, certains Guinéens, c'est des menteurs. Certains Guinéens aiment mentir. Certains Guinéens vivent du mensonge. C'est quand ils mentent, c'est là-bas qu'ils mangent.
Tu vas voir ma vidéo là. Tu vas dire, ah, le petit là, est-ce qu'il lui fume pas couche? Mais c'est la vérité, je suis en train de te dire. C'est la vérité, je suis en train de te dire. Mamadi Doumbia. Hey, tes ennemis, ils seront prêts à tout pour toi. Ils seront prêts à tout pour t'humilier. Ils seront prêts à ce que à n'importe quel prix, ils le feront. Mais ils feront tout pour te faire tomber. La balle est dans ton camp. Pour prendre tes responsabilités. Pour prendre tes responsabilités. Il faut encore peut-être m'appeler un peu partout. Ah, il est agité. Est-ce que CNR ne l'a pas donné l'argent pour venir encore mentir ça là ou bien dire ça? Et vous, vous savez, si vous m'avez donné de l'argent pour parler ça, ou bien si je suis même en contact avec quelqu'un. Mais alors là, le petit là, lui, là, il a changé, il est avec Doumbouya maintenant. T'as pas vu? Il est dans le pays, il n'ose, il parle pas, il n'ose pas critiquer CNRD. Les gens font semblant de t'aimer. Au moins, c'est ce qui me fait mal. Quelqu'un, tu vis avec quelqu'un, tu fais semblant que tu es avec lui et tu sais que tu n'es pas avec lui. C'est ça qui me fait mal. Fais très attention, Doumbouya. Très attention. Arrête de sortir, de te promener. Tu n'es pas un bébé, tu n'es pas un enfant. Tu es un homme, tu es un chef d'État. Tu es un homme de rang. Tu es un général de corps d'armée. Tu n'as pas besoin de prendre tes vélos sortis dans les rues de Conakry. Hé, hey, Doumbouya, moi, même si quelqu'un est qui, ce que moi j'ai envie de te dire, moi je vais te dire. Même si la personne est qui, ce que j'ai envie de te dire là, na flamanebe. J'ai pas dit on va pas me manger. Mais je vais te dire. Je ne veux pas que tu tombes dans les mains de tes ennemis. Tes ennemis, c'est des traîtres. Les gens que tu as libérés là, c'est des traîtres. Sinon, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour eux en République de Guinée? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour eux? Tu es venu, tu as trouvé des gens en prison, tu les as fait sortir à cause des petits postes. Parce que tu les as refusés, les petits postes là. Hein? Toi, tu es venu, tu as dit que tu veux refonder la Guinée. Ce n'est plus, chacun ne va plus être dans un poste pour manger. Maintenant, eux, ils visaient les postes où il y a beaucoup d'argent. Toi, tu as refusé ça. Tu as vu leur idée vite que leur intention, c'est de partir rester dans les postes là pour manger et s'enrichir. Toi, tu as compris ça. Tu as dit non, vous n'allez pas rester là-bas. Paf, tu as vu, ils sont devenus tes ennemis. Certains ont pensé que quand tu es venu là, tu as pris le pouvoir. Tu allais dire, bon, venez, voilà le pouvoir, j'ai récupéré, tenez, c'est pour vous maintenant. Après, ces mêmes personnes encore, toujours, ils vont dire, ouais, on va poursuivre encore Doumbouya. Imagine, toi, tu prends le pouvoir, tu les donnes, en plus encore, tu finis, ils vont te poursuivre encore. Parce que ils vont encore rappeler les anciens dossiers. Ils vont dire que au temps d'Alpha Condé, que c'est toi qui tuais. On a vu ici des listes qu'ils ont faites. Ton nom faisait partie dedans. C'est les mêmes personnes que tu as libérées. C'est les mêmes personnes qui avaient fait ces listes. Après, ces mêmes personnes encore, ils sont sortis encore dire que non, comme toi, tu as pris le pouvoir, toi, tu ne fais pas partie maintenant. Ils ont enlevé ton nom. Ça, ce n'est pas de la démagogie. Ça, ce n'est pas de l'escroquerie, ça. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Parce que tu es entouré que des traîtres. Tu es entouré que des traîtres. Mais un jour, tu vas me donner raison. Un jour, toi et moi, on va se rencontrer. Alors, tu n'es pas président. Tu vas dire, tu vas me voir en train de marcher. Tu vas dire, un jour, j'avais regardé la vidéo de ce petit-là. C'était la vérité. Il était en train de dire, je n'ai pas écouté. Doumbouya, fais attention. Arrête de te promener. Je sais ce que je te dis. Arrête de te promener dans les rues de Conakry. Doumbouya, tu n'es pas plus malin que tes ennemis. Même en pleine circulation, avec là où tu prends tes vélos, là, se promener, les gens peuvent t'atteindre là-bas. Parce que dans leur tête, personne ne ose et personne n'osera prendre des véhicules, quitter d'un point A, venir à ton palais pour te déloger. Et même ils savent que ça, même dans un rêve, c'est pas possible. Parce que moi, je sais.
J'ai vu ce qui est à l'alentour là-bas. J'ai vu ce qui est là, à la devanture. Affronter ça, tu vas lire l'air. Donc ça ne marchera pas comme ça. C'est en circulation, en train de te promener là, en vélo et truc là. C'est là ils vont profiter sur toi. C'est pourquoi je te dis, fais très attention. Quand je suis en train de te parler ici, tu vas penser que le petit là, il fume couche. Je ne fume pas. Moi, je ne bois pas la bière. Je ne fume pas couche. Je ne fume pas drogue. En fait, tout ce que tu sais, ce qui est mauvais là, en fumant, je ne fais pas ça. Dieu sait. Les gens qui me connaissent personnellement, ils le savent. Ces gens que tu as libérés, ils sont en train de planifier beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les manifestations de courant que tu es en train de voir les gens sortir là. Tu penses que c'est le Guinéen juste qui est en train de sortir? Non, c'est manipulé. Il y a des gens derrière. Il y a des gens qui sont derrière ça. Dès qu'il n'y a pas courant dans une zone, ils prennent de l'argent, Orange Money, ils ont des petits partout dans les quartiers. Ils disent, bon, paf, vous là-bas, mettez un pneu vite là-bas comme il n'y a pas courant. C'est une manière de t'affaiblir, une manière de te salir. C'est comme ça, ils vont aller petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à peut-être un jour dans leur esprit pour eux, le peuple de Guinée va se lever tous pour dire, bon, alors on va déloger Doumbia. C'est ça qui est dans leur esprit. Même quand ils sont couchés, c'est ça. Ils sont en train de réfléchir. Les libérés du 5 septembre, c'est eux. Ils sont en train de tout planifier contre toi. Ils sont en train de planifier tout. Et ils sont prêts à lever, même si c'est des milliards, pour te renverser. Quelle que soit la manière pour te renverser, ils sont prêts. Parce que tu es devenu ce qu'on appelle. Comment on dit ça? Tu es devenu pour eux un barrage. Parce qu'ils savent, avec toi, ils vont pas monter au pouvoir. Comme ça. Ils savent ça dans leur tête, que tout ce qu'ils ont volé là, ils vont pas monter au pouvoir ici devant toi. Toi, tu es arrêté, tu les laisses voler. Ils vont voler des années et des années. Toi, tu viens, tu les laisses encore monter au pouvoir comme ça, comme si c'était de la mamaya. Donc, ils savent que avec toi, il y a un grand barrage. Je te dis, ces gens-là, ils n'entendent pas français. Ils n'entendent pas français. Tu sais, quand tu as pris le pouvoir, tu as parlé de refondation de l'État. Pour eux, ils ne connaissent pas c'est quoi la signification et la définition de refondation. Tu sais, quand on dit renouveler, ça veut dire, genre quand tu dis renouveler une maison, c'est venir changer les fauteuils, les frigos, tous les effets qui sont dans la maison, peinturer et tout. Mais quand on dit refonder, c'est de casser la maison, creuser des nouvelles trous pour mettre des bétons forts, mettre des piliers forts. Pour recommencer la maison, c'est ça qu'on appelle refonder une maison. Donc quand on dit refonder un état, ça veut dire c'est de recommencer à bas âge tous les problèmes qui fait en sorte que la maison ne peut pas bien s'arrêter. Mais eux, ils n'ont pas entendu français là. Et moi, depuis le jour là, moi j'ai entendu très bien. Tu sais, moi, quand quelqu'un parle, ce que tu as dit là, tes français que tu dis, moi c'est ça que j'écoute, les français que la personne dit, c'est ça que j'écoute. C'est ça, je définis. C'est ça, je cherche les définitions de ces mots. C'est pourquoi moi, je te dis, personne ne peut me tromper, moi, en politique. Parce que quand tu es en train de parler, moi, je ne viens pas écouter quelqu'un. Quand il est en train de parler, ce qu'il dit, c'est ça. Moi, je définis les mots qu'il dit. Parce que la personne n'est pas fou en parlant. Il sait le français qu'il est en train de dire. Fais très attention. Arrête de prendre des vélos. Sortir dans les rues de Conakry pour te promener. Sinon, un beau matin, tu vas entendre que tu es renversé. Ah, ça, je ne vais pas te mentir. Parce que tu vis avec tes ennemis. Tes ennemis sont avec toi. Tes ennemis sont. En fait, ils font semblant de t'aimer. Ah, allô, mon colonel. Ah, on vous aime.
Ah, mon colonel, on vous aime, I love you. Ah, mon colonel, on veut faire ça. Mon colonel, c'est des menteurs. Quelqu'un qui veut faire un combat, il n'a pas besoin de t'appeler au téléphone pour que tu l'aides. Moi, quand j'arrivais chez le président Alpha Condé, moi, je n'ai pas demandé de l'argent. Je n'ai pas demandé à ce qu'on mette à avoir de l'argent pour faire un combat. J'ai fait moi-même mon combat jusqu'à j'ai été reçu par le président. Je n'ai pas cherché de dire, bon, donnez-moi avance, donnez-moi ça. C'est des menteurs, c'est des gueulards. Un combat, quand tu veux le faire, tu le fais. Tout le monde va voir que tu fais le combat. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. Tu fais le combat. Dans ton combat, il y aura ce qu'on appelle les fruits du combat. Les gens aujourd'hui qui font semblant ici, eux, ils t'aiment, c'est faux, hein? Ils font semblant comme s'ils t'aiment, mais ils ne t'aiment pas. Oh. Le jour où tu ne seras pas au pouvoir, tu seras déçu de beaucoup de Guinéens, la République de Guinée, des gens à qui tu as donné des postes, des gens à qui tu as... Hey, il y a des gens, moi je connais des gens que toi tu as nommés, et ils parlent avec l'opposition matin, midi, soir. Si tu veux rien, si tu veux, wallahi billahi ta'ala, tu peux programmer un jour. Moi je pars dans ton palais, directement, on appelle, j'appelle une personne. Ou bien tu, en fait, tu fais un coup, tu dis à une personne de prendre une personne, je te dis le nom d'une personne. Cette personne vient directement dans ton palais. Tu dis, ouvre ton téléphone là-bas, là-bas, à l'instant T, là-bas, là où tu es, tu ouvres le téléphone, on va regarder. Voilà, tu vas me respecter encore. Je sais ce que je dis. Ils sont avec toi, ils font semblant comme s'ils t'aiment. Il y a beaucoup aujourd'hui autour de toi, quand il est dit tous, donne-moi ton téléphone ici, je vais fouiller. Voilà, ils vont avoir choléra. Ils vont avoir choléra directement. Parce qu'ils savent, ils sont... Hey, Tumbuya, moi, quand je suis avec quelqu'un, je ne vais pas parler avec son ennemi. Toi, comment tu peux être d'accord avec quelqu'un, en même temps, tu es d'accord avec ton ennemi, son ennemi? C'est de la lâcheté. C'est de l'escroquerie. Quand tu es avec quelqu'un, tu es avec lui. Quand tu n'es pas... Moi, autant de Alpha Condé, Moi, personne ne m'a vu, jamais vu avec un militant de IFDG. Jamais. Je ne m'approche même pas. Là où ils vont, je ne vais même pas là-bas. Parce que je suis dans un combat sincère. Donc, en fait, quand je t'aime, je ne m'approche même pas là où il y a tes ennemis. Là où on dit que oui, ces gens-là, c'est tes ennemis. Je viens là-bas faire semblant comme si on est ensemble. Ah, c'est le patriotisme. C'est faux. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas parler avec ses ennemis. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas parler avec quelqu'un que tu sais où il n'aime pas. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Mais, Mamadi Doumbouya, wallahi, billahi tallahi, que Dieu te protège. Mais si tu ne fais pas attention, si tu ne fais pas attention, moi déjà, je sais que moi, mon nom est gâté là-bas. Beaucoup dans votre palais, ça je connais déjà. C'est pourquoi je ne m'approche pas. Je ne vais pas, je ne cherche pas à partir là-bas. Parce que déjà, moi, je sais, mon nom est gâté. Ah, le petit là, il faut faire attention à lui, à ce Riki, à Ménériki. Donc, c'est pourquoi je ne vais même pas. Je ne cherche même pas à partir là-bas. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te montre que ouais, il n'a pas confiance en toi, pourquoi même partir? Tu ne vas même pas partir. Tu vois même pas, moi, je ne pars même pas. Quand quelqu'un te met à ta place, il faut rester à ta place. À ta place où on t'a mis, il faut rester là-bas. Un jour, tu vas arriver. Ceux qui ont fait en sorte que là où toi on t'a mis là, tu vas les découvrir. Tu sauras un jour la vérité. Que ouais, Djaka, ces gens-là me mentaient pour juste mettre barrage entre ces gens-là et moi. Mettre barrage entre tout le monde et moi. Quand tu entends les gens venir te parler, ah, faut faire attention à les gens là. Hein. Si quelqu'un te dit, fais attention à quelqu'un, sache que lui-même,
Il est en train de gâter ton nom quelque part. Ouais. Il est en train de gâter ton nom quelque part. Les gens que tu as libérés le 5 septembre, c'était un vrai ennemi que tu as libéré comme ça, mais tu ne sais pas. Mais tu sauras un jour. Un jour, tu vas me donner raison. Fais très attention. Moi, arrête de dire dans ta tête que non. Mamadi Doumbouya, même le prophète Mohamed a fui ses ennemis. Le prophète Mohamed a quitté a quitté là où il était. Il est parti s'installer quelque part. Il a fui ses ennemis. C'est pas, il pouvait dire à Dieu, écrase-moi tous ces gens-là. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc, quand tu restes dans ton palais dedans, les gens n'ont qu'à sortir et dire que ah, lui, il n'ose pas. Il n'ose même pas sortir au dehors. Dis, ok, tu n'oses pas. Toi, tu as ton pouvoir. Hey, entre toi et ces gens-là, c'est toi qui as quelque chose qui va se gâter pour toi. Parce que toi, c'est toi qui détiens le pouvoir. Eux, ils veulent ta place. Donc, là où toi, tu sais que tu détiens le pouvoir, là, reste dans ton coin, tu attrapes ça très bien. Mais si ça, ça tombe avec toi, tu tombes dans les mains de tes ennemis, Mamadi Doumbouya. Wallahi billahi, tu vas lire l'air. Tu vas lire l'air de... Parce que tes ennemis, là, ils vont venir rire sur toi. Même quand on dit procès pour toi, je ne le souhaite pas, hein, pour toi. Mais même quand on te dit procès, ils vont aller remplir la justice. Doumbouya, zéro. C'est ça qu'ils vont aller dire là-bas, au procès. Alors, en ce moment, tu ne peux rien là où tu es arrêté. Donc, il ne faut pas accepter que ça, ça arrive. N'accepte pas de tomber dans les pièges de tes ennemis. Moi, si tu m'autorises, wallahi billahi, je vais dénoncer ici beaucoup de gens qui parlent avec tes ennemis. Wallahi billahi, qui sont dans ton gouvernement, qui sont nommés par décret. Encore. Et puis vous faites réunion ensemble. Ouais. Je les connais. On se connaît. C'est pourquoi il n'y a rien entre nous. Là où moi j'ai compris, ces gens-là parlent avec tes ennemis de dehors qui veulent à tout prix pour te renverser. Moi, il n'y a rien entre nous. Hein. Parce que même moi, vouloir parler d'abord, moi, Nielu, en personne, vouloir d'abord déjà parler avec eux, ça peut me faire suspect. Pourquoi? Parce que vouloir nous voir ensemble ou bien parler avec eux, message ou appel, tôt ou tard. En fait, ils peuvent tomber eux-mêmes, tes ennemis là. Ils peuvent avoir des problèmes. On peut après voir mes appels, mes messages dedans. Donc, ce serait impliqué. Donc, c'est pourquoi moi, je les évite. Moi, je ne marche pas avec un traître. Quand je sais que tu es un traître, je ne marche pas avec toi.